Les audios du surnaturel. Tous les jeudis à partir de 21h sur Facebook et YouTube. Abonnez-vous. Les audios du surnaturel. Dans quelques instants, partagez les audios du surnaturel. Partagez. Les audios du surnaturel. Les
les audios du surnaturel. Les audios du surnaturel, c'est maintenant même. Bienvenue à votre émission préférée. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, soit votre partage. Je suis le prophète Miezan, le surnaturel, fils spirituel du révérend Père Dolski Jaurès Yoro. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est le suivant. Jonas, active l'ange de ta situation 2. Nous avions eu active l'ange de ta situation 1. Vous pourrez aller sur ma page, le surnaturel 13, pour l'écouter, ou sur ma page YouTube, Miezan Dolski, le surnaturel, n'est-ce pas, pour pouvoir écouter la première partie de active l'ange de ta situation. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième partie et nous allons comprendre quelque chose de formidable. Je tiens à rappeler ceci. Nous avons pour mission de vous révéler Christ, donc de révéler Christ aux nations et de vous démontrer le véritable surnaturel de Dieu. Longtemps, on nous a plongé dans un état qui vraiment ne nous arrange pas. Longtemps, nous avons écouté, entendu des messages qui ne nous faisaient pas évoluer. Et Dieu nous fait la grâce, en ces temps qui sont les derniers, de, n'est-ce pas, découvrir la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité vous rendra libre. Ce qui veut dire qu'il y a une sorte de vérité qui ne rend pas libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des personnes qui disent des choses. Et les choses qu'elles disent semblent tellement correctes à l'échelle humaine, mais qui ne rendent pas libre. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce n'est pas parce qu'il y a une majorité qui écoute quelqu'un, ce n'est pas parce que la communauté humaine disent une même chose, donc d'une seule voix, que c'est forcément la vérité. Non, non et non. La seule vérité se trouve dans la parole de Christ, dans la parole révélée. Alléluia. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Je me suis déjà plusieurs fois posé la question, j'ai dit, mais attendez. Les gens disent qu'il faut lire la Bible, que c'est dans la Bible que se trouve la solution à tout. Je suis parfaitement d'accord avec cela. La Bible même dit que l'écriture, toute écriture est utile pour enseigner. Amen. Amen. Je vais commencer à choquer. De Timothée, le chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La Bible n'a pas dit toute l'écriture. La Bible dit toute écriture. Je suis en train de pousser un peu loin pour dire, la Bible, oui, mais il y a des livres que Dieu met à notre disposition. Il y a des écrits de certains hommes de Dieu. Il y a des prédications écrites ou parlées de certains hommes de Dieu, ou orales, de certains hommes de Dieu, de certaines personnes par lesquelles Dieu passe pour nous ouvrir les yeux. D'ailleurs, la Bible même que nous lisons, nous ne la comprenons même pas. Alléluia. D'aucuns trouvent qu'elle est un peu complexe, d'aucuns trouvent qu'elle est trop énigmatique. Toute écriture.
Alors, j'étais en train de dire que je me suis posé la question, et ceux qui ne savent pas lire, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, d'apprendre l'alphabet, qui ne savent pas lire, comment cela, l'écriture, les formes? Je veux même aller loin en disant, ceux qui ne savent pas lire et qui sont nés aveugles, est-ce des personnes qui n'ont pas droit à lire la Bible? Est-ce des personnes qui n'ont pas droit à regarder le noir sur le blanc? Non. Ces personnes ont aussi le droit. Je veux dire à quelqu'un, la parole de Christ est ce qui est révélé, qui produit en toi le miracle. Voilà pourquoi je veux exhorter un homme de Dieu à ne pas freiner ses fidèles, à ne pas les caser seulement chez lui, à ne pas dire les autres que vous entendez là, ils ne sont pas de Dieu. Non, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Moi-même qui vous parle, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Il y avait des choses que je pensais connaître, mais lorsque mon père spirituel s'étend sur ces choses, mon père spirituel, le révérend Dolski Jaurès-Yoro, je dis, mais attends, je ne connais pas Dieu. Alors que dans la vérité, c'est la révélation de ses paroles qui est claire. La Bible dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Ce qui veut dire que lorsque tu n'as pas la révélation de la parole, bien-aimé, tu es dans les ténèbres. Bien-aimé, tu es dans le noir. Tu peux avoir la Bible avec toi. Tu peux être en train de lire les Écritures. Tu peux être en train de lire d'autres Écritures. Mais lorsque tu n'as pas la révélation de ce qui est écrit, bien-aimé, tu n'es pas éclairé. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont la Bible dans leurs mains. Beaucoup de personnes lisent la Bible, mais ne sont pas éclairées. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la révélation, Makato. Elles n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. Et ce matin ou ce soir, cela dépend de l'heure à laquelle tu me reçois, tu auras une révélation de la parole écrite qui va éclairer ton chemin. Alléluia. Alors, je commence mes propos par ceci. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Marc. Marc, le chapitre 10, le verset 29. Marc, chapitre 10, verset 29. Que nous dit la parole de Dieu? Je lis la parole de Dieu. Marc, chapitre 10, verset 29. Jésus répondit, on va prendre la partie du verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres. Oh my God! Avec des persécutions, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Voici un passage que plusieurs aiment citer lorsqu'ils veulent justifier leur médiocrité, leur pauvreté, leur misère, en disant que lorsque tu as toutes ces choses, tu es persécuté. Et je vais vous dire que vous vous trompez parce que vous avez lu la parole de Dieu, mais vous êtes encore dans les ténèbres. Jésus était en train de dire ici que lorsque tu acceptes de perdre tous tes biens, toutes les personnes que tu aimes pour me suivre, avant même la vie éternelle, tu recevras ces choses au centuple. Voyez même que, même pour commencer à suivre Jésus, la première notion, la première chose à faire, c'est le sacrifice.
Lorsque tu perds ton père, lorsque tu perds ta mère, lorsque tu perds tes biens pour Jésus, c'est un sacrifice que tu fais. Alléluia. Aussi douloureux qu'il puisse être, tu fais un sacrifice, tu laisses tomber ces choses-là et tu suis Jésus. Il dit, il y a des personnes qui sont obligées d'abandonner ces choses, d'abandonner ces personnes pour moi. Mais je vous promets que lorsque vous allez les abandonner, je vais vous donner ces choses au centuple. Donner ces choses au... J'ouvre une parenthèse pour dire que perdre son père, ce n'est pas que tu vas le tuer. Perdre sa mère, ce n'est pas que tu vas la tuer. Perdre tes enfants, ce n'est pas que tu vas les tuer, non. Mais c'est le fait que pour accepter, pour suivre Jésus, il y a des sacrifices que tu dois faire. Alléluia. Ton père peut ne pas accepter. Il te dit que si malgré le fait que ton père n'accepte pas que tu suis Jésus, que tu le suis, malgré ces persécutions-là, malgré ces bouches qui disent « Mais pourquoi tu l'abandonnes et tu suis Jésus ?» C'est cela les persécutions. Lorsque tu vas dire « Mais j'abandonne mon bien pour la cause du Seigneur. J'abandonne mon bien pour l'œuvre de Dieu. » Des gens vont mettre leur bouche sur toi pour dire « Mais pourquoi ?» Pourquoi tu laisses? Pourquoi tu laisses? C'est cela la persécution. C'est cela l'une des faces de la persécution. Jésus dit, quand tu vas laisser toutes ces choses-là, tu vas en recevoir au centuple. Ça veut dire que ça sera multiplié par 100. Lorsque tu acceptes de faire un sacrifice en Jésus, tu obtiens ce que tu as abandonné à la surface des eaux 100 fois. Oh my God! Je suis en train de comprendre et je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque tu fais un sacrifice, lorsque tu jettes à la surface des eaux ton pain, tu le retrouves, mais tu le retrouves multiplié par 100. Recevra au centuple, en plus de cela, la vie éternelle. Alors, je ne vais plus jamais m'étonner de voir des chrétiens qui sont multimillionnaires, qui sont des milliardaires, multimilliardaires. Nous sommes à l'ère où Jésus veut démontrer sa puissance. Nous sommes à l'ère où Jésus veut... Vous voyez, beaucoup de personnes font Jésus menteur. Dans leur vie, Jésus n'est pas un menteur. Le père du mensonge, c'est le diable. Mais dans votre vie, vous le rendez fou. Parce qu'il dit, quand tu vas abandonner tes biens, là, quand tu vas faire les sacrifices, tu vas recevoir au centuple. Mais pourquoi tu ne reçois pas au centuple? Est-ce que c'est parce que tu ne laisses vraiment pas? Est-ce que parce que tu laisses, mais tu es encore attaché à cela? En fait, c'est parce que tu ne fais même pas de sacrifice, parce qu'il n'y a personne qui fasse un sacrifice et qui reste pareil. Alléluia. Alléluia. C'était juste une parenthèse. Alors, la notion de sacrifice, dans mon introduction, dans la fondation de mon message, la notion de sacrifice intervient même quand il s'agit d'accepter Jésus. Il n'y a personne qui, pour me suivre, qui perd des choses, ne va les retrouver. Je veux poser la question à quelqu'un qui m'entend. Si jusqu'à présent ta vie n'est pas multipliée par 100, tes avoirs ne sont pas multipliés par 100, ta santé n'est pas multipliée par 100, tu n'as pas une santé de fer, tes biens ne sont pas multipliés par 100, malgré le fait que tu sois un homme d'affaires, malgré le fait que tu aies confié toutes tes choses à Dieu, si tes biens ne sont pas multipliés par 100, c'est parce que tu n'as encore rien abandonné. C'est parce que tu n'as encore fait aucun sacrifice. C'est parce que tu n'as encore fait aucune offrande. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Et ici, nous n'aurons pas assez de temps. Et les audios du surnaturel, c'est une fois par semaine. Voilà pourquoi j'ai ouvert un groupe par téléphone. Après... Je vous laisse dans la description de la vidéo le numéro de téléphone et l'intitulé du groupe pour que vous puissiez vous inscrire. L'inscription est totalement gratuite. Nous avons des séances de coaching pour, n'est-ce pas, permettre à Dieu de transformer, de formater notre vie, n'est-ce pas, et de nous remodeler. C'est un groupe vraiment... où tous ceux qui sont dans ce groupe-là sont richement bénis et la gloire de Dieu déjà a commencé à se manifester dans leur vie. Alléluia. Alors, le sacrifice, même avant de commencer.
Amen. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jonas, le chapitre 1er. J'aime la parole de Dieu. Vraiment, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu, la parole révélée. Oui, elle fait énormément de bien. Jonas, le chapitre 1er, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. La lecture sera longue. Nous avons 16 versets, mais souffrez d'écouter parce que c'est cette parole-là que nous allons décoder par la grâce de Dieu. Décoder un aspect et, n'est-ce pas, Dieu nous fera du bien. Jonas, le chapitre 1er, les versets 1 à 16. Je lis. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Amen. Verset 3. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Ah, Jonas. Jonas. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. Verset 7. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors, ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ?» Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » J'aime Jonas. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et ils dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Ils surent en effet qu'ils fuyaient loin de la présence de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, parce qu'ils n'avaient pas envie de jeter un oint de Dieu. Je veux déjà ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un qui m'entend, tu es sur les réseaux sociaux, chaque fois qu'il y a quelque chose concernant un homme de Dieu, tu te jettes à l'eau. Quand on parle mal d'un homme de Dieu, quand on insulte un homme de Dieu, et même quand il y a les soi-disant buzz sur les hommes de Dieu, on l'a attrapé en train de faire ceci, on l'a attrapé en train de faire cela, toi aussi qui es enfant de Dieu, tu mets ta bouche dedans. Et quand tu mets ta bouche, ce n'est pas pour défendre, mais c'est plutôt pour condamner. Je veux simplement ouvrir des guillemets et te poser la question, qui es-tu? Qui es-tu pour juger un oint de Dieu? Tu es qui? Je ferme les guillemets. Voici des hommes qui ont tiré au sort. C'est-à-dire qu'ils ont employé une technique spirituelle. Quand ils ont employé la technique spirituelle, c'est tomber sur le oint de Dieu. Effectivement, le oint de Dieu était à la base de ce problème. Le oint de Dieu était à la base de leur problème, de leur situation. Et le oint de Dieu lui-même a dit, jetez-moi dans l'eau. Ils n'ont même pas osé, ils n'ont pas daigné le faire dans un premier temps. Ils ont dit non,
On va faire l'effort de ramer pour atteindre la terre. On va faire l'effort. Mais toi, non seulement tu ne le connais pas, non seulement il n'a pas ouvert sa bouche pour dire oui, c'est moi qui l'ai fait. Même s'il a ouvert sa bouche pour confesser ce qu'il a fait, qui es-tu? Pour te mettre sur les réseaux sociaux et pour mépriser l'homme de Dieu. Je suis déjà en train de montrer un peu à quelqu'un ce qui fait que par moment, ta vie est ralentie. Je dis toujours aux gens, la vie est tellement simple. Il faut adopter, je ne sais pas si je vais dire ce proverbe ou bien je ne sais pas quoi, qui dit, si tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas. Si tu ne connais pas l'homme de Dieu, tu l'affèmes. Et même si tu connais l'homme de Dieu, tu n'as pas été là pendant que ceux de quoi il est accusé, tu n'étais pas présent, tu l'affirmes aussi. Et même si tu as été présent, que tu veux ouvrir ta bouche parce que ta bouche te démange, il faut ouvrir ta bouche et il faut le soutenir. Il ne faut pas aller contre lui. On ne va jamais contre un oint de Dieu. Regardez, quand tu sors, je prends un exemple, tu sors, tu es en train de marcher, ou même tu es quelque part, et puis voici un zambéto qui arrive, un féticheur qui arrive, quelqu'un qu'on connaît, on dit celui-là. Quand tu l'insultes, il peut faire descendre le feu sur toi. Et puis, il est en train de passer son cortège, ils sont habillés en blanc, il a mis poudre sur lui, de toi à moi. Est-ce que tu vas t'arrêter et puis commencer à proférer des paroles à son encontre? Non! Parce que tu auras peur en toi. Hey, regarde-toi dans le miroir là. Tu auras peur. Tu auras peur. Tu vas commencer à prier dans ton cœur. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Un sac, un tonneau vide qui marche parce qu'il a mis poudre sur lui. Parce qu'il a mis plein de colis de couleurs différentes comme un arc-en-ciel sur lui. Tu as peur. Mais tu vas faire comme si tu n'as pas peur. Ceux-là, vous les respectez. Mais les oints de Dieu, ceux qui sont capables de déclarer des choses sur les nations, vous n'avez pas peur d'eux parce que vous pensez que votre Dieu, notre Dieu, est tellement compatissant. Il n'est pas compatissant pour des bêtises comme ça. Il a lui-même dit, ne porte pas ta main sur un oint de Dieu. Aujourd'hui, la main, ce n'est pas forcément quand tu utilises tes longs bras. Ta main aussi, ta bouche. Quand tu utilises la main, tu frappes. Mais aujourd'hui, la bouche, la langue, là, la Bible même le dit, elle est comme une épée. Elle est capable de semer la vie, elle est capable de semer la mort. Qui es-tu pour parler d'un homme de Dieu? Faites attention. Je suis en train de déclarer dans cette nation, et même en Afrique, dans le monde, le temps arrive où toutes les personnes qui se lèvent contre les oints de Dieu tomberont. Je m'en fous, que tu sois une société ou un individu, je suis en train... D'ailleurs, bénis Dieu parce que je te préviens. Si tu n'arrêtes pas, tu vas tomber. Ta société va tomber. Tu es un journal, tu es un média. Tu prends pour plaisir de salir les hommes de Dieu. Tu vas tomber. Je prophétise que tu tombes et que tu te brises les dents. Respectez les oints de Dieu. C'était une parenthèse. Nous continuons la lecture. La Bible dit que au verset 13, ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent y arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors, ils s'adressaient à l'Éternel et dirent, « Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. » En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis, il prit Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Vous voyez, c'était tellement compliqué, et Jonas continuait de leur dire, je vous ai dit de me jeter. Si vous ne me jetez pas, on va tous mourir. Ou même c'est vous qui allez mourir parce que moi je ne vais pas mourir. La Bible dit qu'ils ont jeté, avant de jeter Jonas, ils ont parlé à Dieu. Ils ont demandé pardon à Dieu et ils ont jeté Jonas. Mais regardez le dernier verset, le verset 16. La Bible dit que ces hommes furent d'une grande crainte de l'Éternel. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont offert un sacrifice.
Je veux dire à quelqu'un qui remarque que dans sa vie, il y a un blocage. Ou, peut-être que tu ne le remarques pas encore, tu as eu des prises de bec avec un homme de Dieu. Tu as eu des prises de bec avec un homme spirituel. Demande pardon à Dieu et fais un sacrifice à l'Éternel. Et fais un vœu, le vœu de ne plus jamais le recommencer. Vous voyez, voilà la révélation des paroles qui est claire. Tu lisais ça depuis longtemps, mais tu ne savais pas que c'était l'attitude que tu devais avoir. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas le sujet du jour. Toutes ces choses-là, nous le voyons dans le groupe Le Surnaturel au quotidien. Donc, je t'encourage, n'est-ce pas, à t'y inscrire. L'inscription est gratuite. Amen. Nous avons lu le passage. Nous allons aller dans Jonas, le chapitre 2. Jonas, le chapitre 2. Je prie que pendant que tu écoutes ce message, tu sois visité par la puissance de Jésus. Pendant que tu écoutes ce message, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Alléluia. Reçois une faveur imméritée. Pendant que tu m'entends, la puissance de Dieu te visite. Tu reçois quelque chose de formidable. Jonas, le chapitre 2, le verset 1. Les versets 1 et 11. Il y a 11 versets, je vais les lire, c'est pas long. L'Éternel fit venir un poisson. Donc après qu'ils aient jeté Jonas, l'Éternel fit venir un poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut 3 jours et 3 nuits. Fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Verset 2. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel son Dieu en disant: dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Hananarabasu. Dedebros, kadadada mayante, alamasu, katalalamasu, et rededeba onti de l'eau, de redebida onti. Verset 6. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les algues s'enroulaient autour de ma tête. Oh my God. Ouh. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenu jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sont sans consistance, éloignent de la bonté. Verset 10, l'avant-dernier verset. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Verset 11, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Je veux insister sur un fait. Jonas a parlé, il a beaucoup parlé, il a parlé. Lorsqu'il a prononcé cette parole, comme quoi, je t'offrirai des sacrifices et je te ferai des vœux. La Bible dit que Dieu a parlé au poisson et le poisson a vomi Jonas. Alléluia. Dieu répond à la promesse de sacrifice de Jonas. Jonas a parlé longtemps, mais quand il a fait la promesse de sacrifice, quand il a dit à Dieu, je vais te faire des sacrifices, je vais te faire des vœux. La Bible dit que l'Éternel a parlé au poisson et le poisson a ouvert la bouche. Et Jonas est sorti. Fais des vœux à l'Éternel, c'est un code d'exaucement. Nous voyons encore tout ça dans le groupe. Je vous invite à vous inscrire, c'est gratuit. Alors, qu'est-ce que je veux t'enseigner aujourd'hui? Nous connaissons cette histoire. La Bible dit que Jonas, n'est-ce pas, était confronté à une situation. Jonas était
dans un bateau. Et dans ce bateau-là, il y avait l'orage. Ça n'allait pas. Alléluia. Et les gens étaient en train de mourir. Ils se sont rendus compte que, mais attends, ce qui est en train de se passer n'est pas habituel. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Jonas était en train de fuir la face de Dieu, comme on le dit. Oui, Jonas était en train d'aller loin parce qu'il ne voulait pas. Je voulais enseigner dans la prédication de « Jette-toi à l'eau ». Je t'encourage à aller écouter encore cette prédication « Jette-toi à l'eau ». On parlait de Jonas. Donc, Jonas qui en fait fuyait la face de Dieu comme les gens le disent, mais en vérité, Jonas ne voulait pas mourir. Il ne voulait pas mourir martyr parce que là où Jésus l'avait envoyé, là où Dieu l'avait envoyé, ceux qui étaient là-bas n'adoraient pas Dieu. Donc, il savait que en partant parler de Jésus de façon simple, il allait mourir. Jonas partait simplement. Jonas n'était pas accompagné. Écoutez, je me rappelle de cette histoire de Moïse où Dieu dit à Moïse, va leur parler. Et Moïse qui dit, je n'irai pas si tu ne viens pas avec moi. Dieu avait promis à Moïse de lui envoyer des personnes pour l'aider. Et Moïse a dit, non, si tu ne viens pas, je ne vais pas. Et Dieu est descendu avec Moïse et l'a accompagné. Jonas savait ça. Jonas savait que s'il partait seul, s'il était simple, quelque chose allait lui arriver à Ninive. Parce qu'il n'avait pas fini de vivre. Voilà pourquoi il a fui. Parce que cette fois-ci, quand Dieu l'a envoyé, il semblait être seul. Il partait, il a fui. Alléluia. Je vais te dire quelque chose qui va te choquer. En fait, Jonas, Jonas savait ce qu'il faisait. Jonas n'était pas en train de fuir. Maïka, Toureka. Jonas savait ce qu'il faisait. Jonas avait besoin de quelqu'un avec lui. Jonas avait besoin d'un ange avec lui. Jonas avait besoin d'une présence divine avec lui. Parce que aller seul serait compliqué. Je veux dire à quelqu'un, tu es confronté à des choses dans la vie. Tu te sens seul, oui. Tu es vraiment seul. Ce n'est pas un leurre. Tu es vraiment seul. Voilà pourquoi chaque fois tes défis, tu n'arrives pas à les surmonter. Tu es vraiment seul. Voilà pourquoi dans cette situation, tu n'es pas vainqueur. Écoute, tant que tu vas rester seul, tu seras vaincu. Mais lorsque tu auras quelqu'un avec toi, lorsque tu auras une présence divine avec toi, tu ne seras jamais vaincu. Parce qu'en fait, ce n'est pas toi qui vas travailler, mais c'est cette présence divine qui va travailler à ta place. Jonas était très stratégique. Jonas savait qu'il devait activer un ange. Il était dans une situation. Il avait besoin d'activer un ange. Je vous ai dit dans la prédication passée, dans Jette-toi à l'eau, que les gens de Ninive adoraient de faux dieux. Parmi les dieux qu'ils adoraient, il y avait un qui était demi-homme, demi-poisson. Jonas savait qu'il avait besoin de quelqu'un. Il avait besoin d'une présence angélique. Il avait besoin d'une force de Dieu qui se manifestait comme leur Dieu, qui se manifestait comme un poisson. Il avait besoin de cette énergie. Il avait besoin de cette force pour n'est-ce pas affronter le problème. Il avait besoin de cette force là pour affronter le démon ou les démons de Ninive. Écoutez, ne dit-on pas que lorsque tu es attaqué par les loups, il faut appeler le lion de la tribu de Juda. Lorsqu'on prie, on nous disait, tu ne peux pas implorer l'agneau de Dieu pendant que tu es en guerre. Effectivement, si tu implores l'agneau de Dieu pendant que tu es en guerre, l'agneau de Dieu sera mangé et tu seras vaincu. Voilà pourquoi l'Éternel a plusieurs facettes. Parce que fonction de ta situation, c'est lui, c'est la facette de la situation de Dieu que tu dois implorer. C'est la facette de la situation de Dieu que tu dois implorer. Lorsque l'ennemi vient, qu'il soit loup, qu'il soit je ne sais quoi, il faut invoquer le lion de la tribu de Juda, le prince et le maître de la forêt, celui-là qui est capable, qui lorsqu'il rugit, est capable de faire fuir tes ennemis. Lorsque nous avons vu dans le livre, dans la prédication de Active l'ange de ta situation 1, nous avons vu que Daniel avait activé un ange en lui. Lui et ses compagnons, il avait activé deux anges. Le premier ange qu'il avait activé, il était, n'est-ce pas, il devait être confronté. Il devait être dans une force au lion, où les lions devaient venir le manger. Daniel savait que tout seul, il ne pouvait pas. Voilà pourquoi il est rentré dans un moment très spirituel, un moment mystique. Je ne vais même pas appeler ça un jeûne, parce que les gens parlent du jeûne de Daniel. Ils ne savent pas ce que c'est. Daniel savait qu'il allait être jeté dans la force au lion. Les lions mangent la viande. Les lions mangent le sang. Daniel, pour activer l'ange de sa situation, il a mangé que des fruits. De sorte que lorsqu'il se trouve dans la fournaise
dans la force au lion, le lion le voit comme un fruit. Le lion le voit comme un arbre. Encore, une autre situation s'est présentée à Daniel. Plutôt, Daniel. Daniel devait être jeté dans la fournaise ardente. Il savait que s'il partait tout seul, le feu allait le brûler. Daniel a activé un ange. Il a activé l'ange des eaux. La Bible dit que pendant son moment spirituel, que d'autres personnes appellent le jeûne, il a mangé des fruits et il a bu de l'eau. Il n'a pas mangé autre chose. De sorte que lorsqu'il rentre dans la fournaise ardente, il est de l'eau. Oh my God! Il était de l'eau. Voilà pourquoi. Lorsqu'il est rentré dans la fournaise ardente, il n'a pas été brûlé. Et même le roi a dit qu'il a vu quelqu'un. Un homme qui avait le visage des fils de Dieu. Daniel avait activé cet ange. Parce que devant cette situation, il ne pouvait pas aller seul. C'est la même chose que Jonas a fait. Jonas ne pouvait pas aller seul à Ninive parce qu'ils adoraient un dieu poisson. Il avait besoin de l'onction. Il avait besoin d'être revêtu du dieu qui a créé les poissons. My God. Voilà pourquoi Daniel est allé au fond de l'eau. Ah. Daniel est monté dans la barque. Il est monté dans leur bateau parce qu'il savait que pour activer ce temps, il y a quelque chose à faire. Et c'est ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Jonas connaissait l'action des anges. Il savait comment activer les anges de sa situation. Dieu te dit, va à Ninive, mais tu as fait comment? Ninive là, tu ne dois pas prendre bateau. Ninive là, tu marches. Et puis tu arrives. Mais là-bas, là, leur dieu poisson, là, il est partout. Comment je vais activer la face de Dieu de cette situation pour que quand j'arrive, l'ange de Dieu même fasse mon palabre? Il a réfléchi. Excusez-moi, Jonas n'avait rien. Jonas n'était pas riche. Jonas n'avait pas l'argent. Mais Jonas a réfléchi. Écoutez, je vous ai dit qu'il y a des situations, Dieu ne regarde pas tes pleurs. J'ajoute seulement. Oui, nous sommes des humains, nous pleurons devant des situations. Mais Dieu ne regarde pas seulement les pleurs. Dieu regarde les pleurs, plus ce que tu fais, plus l'action que tu fais. Jonas n'avait rien, mais regardez ce que Jonas a fait. Retournons dans la Bible, au verset 5, n'est-ce pas? De Jonas, le chapitre 1er. Regardez, c'est extraordinaire. La Bible dit ceci. Les marins eurent peur. Au verset 4, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur une mer. Ah, je suis en train de répéter. Verset 5. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Pendant que ces personnes-là, les marins, étaient en train de prendre leurs biens, leur trésor, pour le jeter dans l'eau, c'est à ce moment-là que Jonas est descendu pour aller dormir. Mais Jonas est descendu pour aller dormir pourquoi? Parce que Jonas avait besoin de faire un sacrifice. Mais Jonas n'avait rien. Oh my God! Jonas avait besoin d'activer l'ange des eaux, mais il n'avait aucun sacrifice. Quelqu'un va me dire, oh, vous me dites d'activer telle entité, tel ange pour ma situation, mais je n'ai rien. Mais regardez Jonas. Jonas n'avait rien, mais il a usé de sa stratégie. Il a usé d'une intelligence pas possible, d'une intelligence divine pour pouvoir faire un sacrifice et activer l'ange. La Bible dit, Jonas est allé dormir pendant que les gens étaient en train de jeter leur trésor, pendant que les gens étaient en train de sacrifier à l'eau leur trésor, pendant que les gens étaient en train de sacrifier à l'eau leur argent, pendant que les gens étaient en train de sacrifier à l'eau tout ce qu'ils avaient de précieux, Jonas est allé dormir. Pourquoi? Parce que Jonas dit, allez-y, jetez, parce que moi j'ai besoin d'activer un ange.
Mais comme je n'ai rien, c'est ce que vous avez là, que vous-même vous allez sacrifier à ma place. Oh my God, oh my God, oh my God. La Bible dit, parce que tu as du prix à mes yeux, je donne quelqu'un à ta place. Jonas n'avait rien, mais il a dit à Dieu, je n'ai rien, j'ai besoin d'eux, j'ai besoin de leur bien. J'ai besoin de leur argent, j'ai besoin de leur trésor, parce que je veux activer l'ange de ma situation. Alors, quelque chose les a pris, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ont commencé à jeter dans l'eau. Jonas allait dormir tranquille. Il attend qu'ils finissent. Oh my God. Oh my God. Jonas attend. Ils n'ont qu'à finir de tout jeter. Au verset 6, la Bible dit, le capitaine s'approcha de lui et lui dit, mais pourquoi tu dors? Lève-toi et fais appel à ton Dieu pour qu'il nous sauve. Ils ont fini de jeter tout ce qu'ils avaient. Et puis maintenant, ils ont tiré au sort. C'est tombé sur Jonas. Et puis Jonas leur dit, les gars, moi-même je sais que c'est moi qui fais. Jetez-moi dans l'eau, vous serez sauvés. Oh my God. Ils ont fini de faire l'offrande à l'ange de l'eau pour Jonas. Maintenant qu'ils ont fini, Jonas a bien dormi. En fait, il ne dort pas. N'oubliez pas que je vous ai dit que l'Éternel donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant que tu es en train de dormir, c'est là que Dieu fait ton palabre. Pendant que Jonas était en train de dormir, c'est là que les gens là étaient en train de faire le sacrifice à l'entité des eaux pour l'activer. Quand ils ont fini, Jonas dit, jetez-moi. Les gens disent, aïe. Il dit, non, jetez-moi, c'est moi que je fais. Jonas savait ce qu'il avait fait dans le sommeil. Il est allé parler à Dieu. Aïe, ndelele, boss. Il est allé parler à Dieu. Ils l'ont jeté dans l'eau. Quand ils l'ont jeté dans l'eau, l'ange des eaux est apparu comme ça. Et il a pris Jonas. Jonas pouvait se jeter avant même que les gens ne jettent leurs biens. Parce que la tempête a commencé avant que les gens ne jettent leurs biens. Il pouvait se jeter dans l'eau. Mais s'il se jetait dans l'eau, il allait mourir. Parce que pour activer l'ange de ta situation, il faut un sacrifice. Pour activer l'ange de ta situation, il faut une offrande. Pour activer l'ange de ta situation, écoutez, que vous le voulez ou pas, c'est comme ça, les choses sont faites. Je ne suis pas en train de parler aux petits esprits. Les gens qui vont se mettre à bavarder, c'est quelle prédication ça. Écoutez, c'est pour cela que vous êtes là, là. Vous n'avancez pas. Tu es dans un même travail, tu n'avances pas. Et puis tu es là, je veux une promotion. Est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que dans ta vie, là, quand tu es assis, Dieu t'a béni, là, est-ce que tu penses à lui? Est-ce que tu payes ta dîme même? Oh, la dîme, c'était avant. Ok, il n'y a pas de souci. Hein. La dîme, c'était avant. Non, ne m'embête pas. Ne rentre pas dans mon inbox pour me dire, homme de Dieu, je veux une promotion. J'ai été surpris de savoir que nos cousins, là, les musulmans payent leur dîme. Les musulmans payent leur dîme. Va te renseigner. Les musulmans payent la dîme. Les 10% de leurs revenus. Les musulmans font des offrandes à leur cheikh, à leur imam. Parce qu'ils croient en lui. Ils savent qu'en le faisant, c'est à Dieu qu'ils le font. Je ne vous apprends rien de toute façon. Quand on dit sacrifice, quand on dit faire du bien aux mendiants, aux orphelins, c'est qui? Ce sont les musulmans. Eux et puis les hommes spirituels. Parce que vous pensez que quand on dit homme spirituel, là, c'est chrétien. Enlevez dans votre œil là, il y a balèze paille comme ça. Quand on dit homme spirituel, c'est pas chrétien. Dieu n'est pas chrétien. La Bible dit que Dieu est esprit et vie. Il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Spirituel veut dire esprit. On peut pas dire espritien. Donc comment on peut pas dire espritien, on dit spirituel. Spirit, esprit. Dieu est esprit, Dieu n'est pas chrétien. Pourquoi eux ils réussissent? Regardez, même des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ont imploré leur Dieu, quand ils ont fini, ils ont fait sacrifice. Ils ont fait offrande. La Bible dit, ils ont fait une offrande à l'Éternel et ils ont fait des vœux. Bon, ils ont fait l'offrande là où? Est-ce à dire qu'ils avaient des bœufs dans leur bateau? Et puis ils ont offert ces bœufs là en holocauste? Ou comment est-ce qu'ils ont fait leur sacrifice? Peut-être qu'ils ont encore jeté quelque chose dans l'eau parce que lorsqu'ils ont jeté Jonas, la mer s'est calmée. Ils savent que Jonas a dit quoi? Le Dieu qui a créé la mer et la terre. Donc, ils ont fait leur sacrifice dans la mer. Ce que je dis là, ça n'engage que moi. Si tu veux, il ne faut pas me croire.
Un prophète ne lit pas la Bible. D'après mon père spirituel, le révérend Dolski, le prophète navigue dans la parole de Dieu. Vous ne savez pas que quand on vient prêcher ici, là, Dieu nous permet de nous retrouver dans le règne de l'esprit et puis on voit ce que vous lisez là. Nous, on voit ça dans le film. Et puis on voit la vérité, ce qui s'est vraiment passé. Jonas leur a dit, le Dieu que je sais, c'est le Dieu qui a créé la mer et la terre. Donc, je vais jeter ça dans la mer. S'il a créé la mer, c'est qu'il est dans la mer. Ils ont fait leur sacrifice dans la mer pour dire merci à Dieu parce qu'il les a sauvés. Bon, toi, oh, quand tu as une promotion, quand tu as même de l'argent, tu as une entrée d'argent, quand tu as des biens, est-ce que tu fais des sacrifices pour dire merci à Dieu? Tu as 5 voitures dans ton parking. Est-ce que tu penses, mon pasteur n'a pas de voiture, je vais aller lui donner une voiture. Ça, hey, ça t'enlève quoi? Ou bien tu penses qu'avoir 5 voitures là, c'est réussir? Ah. Et il n'y a pas que les biens que Dieu multiplie au centuple. Il dit, il multiplie tes pères, tes mères, il multiplie tes enfants, il multiplie tes avoirs, il multiplie ta santé au centuple. Et en plus de cela, tu as la vie éternelle. Oh my God. Ce que je dis concerne aussi les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu même payent leur dîme. Moi, mon père spirituel paye sa dîme chez son père spirituel. Moi, je paye ma dîme chez mon père spirituel. Est-ce que tu payes ta dîme? Oh, la dîme là, on va la donner aux veuves et aux orphelins. Non, on ne donne pas la dîme aux veuves et aux orphelins. Les veuves et les orphelins, on s'occupe d'eux. On s'occupe d'eux. Voilà. C'est pas la dîme qu'on leur donne. La dîme, c'est quoi? C'est la dixième partie de ce que tu reçois. Donc, tu ne donnes pas la dixième partie de ce que tu reçois aux veuves et aux orphelins. Non, la dixième partie, ce que tu reçois, la dixième partie là, c'est la reconnaissance à Dieu. C'est à Dieu qu'il faut donner. Et quand on donne à Dieu, c'est à l'église, c'est à ton père spirituel. Les veuves et les orphelins, on prend soin d'eux. L'argent qui te reste quand tu finis d'enlever ta dîme, là, tu prends ça encore pour t'occuper d'eux. C'est comme ça. Jonas avait besoin de sacrifices. Oh my God. Il avait besoin de faire des sacrifices. Une offrande à la mer pour que l'ange de la mer puisse venir, puisse être activé. Il n'avait rien, mais il a permis. Dieu a permis que les autres là jettent à sa place leur bien. L'ange a été activé. Maintenant, il dit, jetez-moi dans l'eau. Voilà pourquoi lorsque le poisson l'a avalé, les gens de Ninive l'ont écouté. Parce qu'il était revêtu d'une onction puissante, une onction qui surpassait leur dieu poisson. Tu es dans une situation, tu ne fais rien. Oh, moi je n'ai rien. Oh. Moi je n'ai rien. Tu n'as rien plus que Jonas. Tu n'as rien plus que Jonas. Nous allons terminer nos propos par Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 4, le verset 9. Oh, Shandarabasu, Kantelele Bros. Tchekelbuka, Rebo Kantula Yanti. Apocalypse, le chapitre 4, le verset 9. Que nous dit la parole de Dieu? C'est avec cela que nous allons clore les audios du surnaturel d'aujourd'hui. Quand les êtres vivants rendent gloire, nous allons prendre à partir du verset 8, Apocalypse 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. C'était des anges. La Bible dit qu'ils étaient remplis d'yeux. Autour et au-dedans. Ça veut dire que quand tu les regardes, ce sont des yeux qui volent. Il faut imaginer des yeux qui font un être. Et puis, les yeux la volent. Même sur les ailes, il y a des yeux. Quand ils ouvrent la bouche, sur leur langue, il y a œil. Imagine-toi un être comme ça. C'était des anges. Vos anges de Club des Petits, là, de Disney Channel. C'est pas comme ça les uns ils sont. Alléluia. Verset 9.
quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Verset 10 qui nous intéresse, les 24 vieillards se prosternent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. La Bible dit que les 24 vieillards se prosternent devant Dieu et jettent leur couronne. Chaque fois que les 24 vieillards se prosternent devant Dieu, les 24 vieillards jettent leur couronne. Écoutez, ce n'est pas à 7h, à 8h, à 9h. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des heures précises où les 24 vieillards se prosternent. Non, c'est constant. Les 24 vieillards, de façon constante, jettent leur couronne devant Dieu. Mais vous-même faites le scénario. Comment il y a une couronne sur ta tête et puis tu jettes, tu cours, tu t'en vas prendre, tu remets encore. Tu jettes, tu cours, tu t'en vas prendre, tu remets encore. Non, c'est pas comme ça. Les 24 vieillards sont statiques, mais la Bible dit qu'ils jettent leur couronne. Chaque fois, ils jettent leur couronne. Ce qui veut dire que chaque fois qu'ils jettent une couronne, Dieu la remplace. Chaque fois qu'ils jettent la couronne A, Dieu remplace par une couronne B. Chaque fois qu'ils jettent la couronne B, Dieu remplace par une couronne C. Même au ciel, il y a encore le miracle de la multiplication. Même au ciel, il y a encore le miracle de l'abondance. Parce que lorsqu'ils jettent leur couronne, que Dieu la remplace encore plus grosse, encore plus glorieuse, encore plus chic. Donc vous vous imaginez, c'est comment même, c'est comment le oh my God, même au ciel, il y a encore le miracle de l'abondance. À plus forte raison sur la terre, il n'y a personne qui, jetant son pain à la surface des eaux, ne le retrouvera pas. Il n'y a personne qui, laissant son père et sa mère et ses biens, pour accepter, pour marcher, pour suivre Jésus, ne reçoivent ces choses au centuple. Même au ciel, lorsqu'ils jettent leur couronne est remplacée, mais de plus en plus glorieuse. Toi, tu es là, la petite couronne que tu as, on te dit donne. Dieu va remplacer, tu dis, gnagnagnagnagnag, les hommes de Dieu là n'ont qu'à aller travailler. Tu es malade. Tu es malade. Que Dieu nous délivre. Je vous ai dit, si tu n'es pas d'accord avec ces choses, il faut la fermer. Il ne faut pas parler, parce qu'en parlant, tu t'exposes à la malédiction. Tu vois, de toute façon, j'ai découpé là. Malédiction. Ça veut dire que ça va t'arriver si tu passes ton temps à parler mal des hommes de Dieu. Tu passes ton temps à les insulter, à les maudire dans ton cœur. Et tu peux ne pas comprendre quelque chose qu'un homme de Dieu a fait. Ah, il a fait ça pourquoi? Hein? Nous sommes humains. Mais l'insulter et puis venir t'exposer comme ça, c'est-à-dire on sait que Adjoa, elle a écrit un commentaire, elle a insulté. Oh, la malédiction est ton partage. Réponds-toi, si tu te reconnais dans ces choses, réponds-toi parce que notre Dieu est amour. Si tu te répands, que tu reviens de tes voies, il va reconsidérer et considérer que tu étais dans une ignorance et il te fera du bien. Alléluia. Jonas active l'ange de ta situation. Il a activé l'ange de sa situation. Si je veux résumer, je dirais ceci. Lorsqu'il y a eu la mer, il y a eu l'orage, Jonas pouvait se jeter lui-même, mais il ne s'est pas jeté lui-même. Il pouvait se jeter avant que les gens ne laissent leur trésor dans l'eau. Mais il allait dormir parce qu'il savait que l'Éternel donne dans le sommeil de ses bien-aimés ce qu'ils veulent. Cela se trouve dans le livre de Psaumes. Quand ils ont fini de faire le sacrifice à l'ange des eaux, qui est une autre facette de Dieu, oui, oh my God, chaque ange est une ramification de Dieu. Chaque ange est une facette de Dieu. Chaque ange est une révélation de Dieu. Luzakatu rededededebo antula kayana la yandebo a rididi bounty the lord really be the auntie the cultivar.
Mistrahim, Bracolis, Tchekelbouk, Debaous. Il est les mountains à Libraya. Floril, Flous, Mantulahenda, Lahantuluham, Bahanti. Et quand ils ont fini le sacrifice, il a dit maintenant jetez-moi. Parce qu'il savait que l'ange des eaux, l'une des ramifications de la main de Dieu, s'était activée. Alléluia. Que Dieu bénisse ta vie. Je vais laisser dans la description, en commentaire, le numéro de téléphone afin que tu puisses t'inscrire dans le groupe Le Surnaturel au quotidien et recevoir encore et encore des messages de vie et des prières de déblocage. Partagez cet audio. Partagez à tout le monde dans vos groupes. Si vous avez quelqu'un qui est sur Facebook, partagez-lui l'audio. Dites-lui de s'abonner à la page Le Surnaturel 13. Si vous avez des personnes qui n'ont pas Facebook mais qui ont YouTube, vous pouvez leur donner mon YouTube. Vous tapez simplement Miezandolski Le Surnaturel. Vous vous abonnez à la page pour ne pas manquer une notification lorsqu'il y a une vidéo qui est disponible. Et vous verrez que la gloire de Dieu se manifestera dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Jésus qui surpasse toute intelligence soit votre partage. À bientôt.